Voilà, donc je suis allée faire les magasins. Avant de commencer la vidéo, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, likez et partagez. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Hello, coucou mes chouchous, bidou, bidou. Bon, j'ai acheté cet oreiller à Ikea. La marque, c'est Rusmalva. Voilà, regardez. C'est mémoire de forme. Regardez. Mémoire de forme. Et il est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, si j'enlève la perruque, ça va être la cata. J'ai les cheveux tout esquintés. Regardez. C'est une catastrophe. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je vais vous le. Voilà, j'enlève la perruque. Et je vais mettre la tenue des guerriers de Dark Vador. Allez, on y va. Parce que là, Sybille, arrête tes bêtises. Ok. Oh là là. Ça fait peur. Hein. Donc, j'ai été à Stokomanie. J'ai pris pour 6,90€ le trèfle. Parce que j'adore la marque de trèfle. Généraux par nature, douceur, boule, épaisseur. Il y en a combien? Il y en a 24 plus 8. 9, 10, 11, 12, ça fait 32. Et du coup, eh bien, je suis trop contente. Parce que 6,90€, franchement, moi je paye les 6 rouleaux 3€. Et ben là, pour 6,90€, j'en ai 32 rouleaux au lieu de 6. Voilà. Bref. Alors, j'ai trouvé ceci de prix moins de 2€. C'est de la sangria. Alors moi, je vais rajouter dedans des fruits, des oranges et des pommes. Et je vais me faire une sangria déjà faite. J'ai trouvé ça, du blanc, citron, gingembre. Je trouvais ça pas mal du tout pour Noël. Édition limitée, il n'y en avait plus qu'une bouteille. Donc je me suis dit, Sybille, prends-la. Ensuite, j'ai pris des gobelets, 1,40€. Alors, moi, c'est plus beaucoup. Vous savez que moi, ce qui m'est arrivé maintenant au pied, je n'aime plus les verres. J'arrive pas. Pour l'instant, j'ai une phobie des verres. C'est compliqué. Donc voilà, j'en ai trouvé. Je suis très contente. Parce que c'est tellement difficile d'en trouver maintenant. Voilà, 1,40€. Et il y en a 75 pièces. Ensuite, je suis trop contente aussi, j'ai retrouvé, j'ai payé ça 2,99€, alors j'en avais déjà un, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, voilà, là, ici, j'ai beaucoup de pouf comme ça, alors j'en ai des matelassés, j'en ai beaucoup, hein. Du coup, c'est-à-dire que c'est mes caisses de rangement. Au lieu que ce soit des caisses de rangement, c'est des poufs, des jolis poufs, on peut s'asseoir dessus. Je peux vous montrer. Voilà, alors, on va laisser comme ça. Donc, les petits papillons, j'en veux pas. Mais par contre, ce que je veux, c'est la rose et le chat. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous savez quoi, on va mettre ça là. Pour Noël, j'ai trouvé quelque chose de très bien. J'ai payé ça 3,99€. C'est des petits ananas dorés. J'ai trouvé qu'ils étaient trop mignons. Regardez. Trop choupi. Et du coup, ben, j'ai pris ça. C'est la marque Atmosphère. Je pense que ça vaut beaucoup plus cher que ça. Je ne sais pas s'il y a le prix. On va regarder. On va regarder. Au cas où il y aurait quelque chose en dessous. Alors, je l'ouvre. Non, il n'y a rien en dessous. En tout cas, voilà. Quand je vous dis que je suis une... Vous me croyez quand je vous dis que je suis maladroite? Je suis très maladroite. Ça, c'est un truc de dingue. Hein. J'ai failli casser ma table. Et en verre. Voilà. 1, 2... Et on va les relaisser, on va les relaisser dans leur packaging.
tout cas, ils sont pastis. Voilà. Ensuite, du papier cadeau. Franchement, 1 euro le papier cadeau, c'est pas cher du tout. Je l'ai pris où le papier cadeau? À Lidl. Oh, 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 oh. Eh, mais je suis bête ou quoi? Voilà. Oh, 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 oh. Sympa, hein? Voilà, j'ai pris du papier cadeau. Pour préparer Noël, j'ai trouvé à 1,40€ des assiettes, tout là, parce que je vais faire rouge et doré. Franchement, et vert peut-être, rouge, doré et vert. Voilà, regardez comme elles sont belles. 1,40€ seulement, elles sont bien protégées. Voilà, c'est des soupes là. Hein. Ensuite, à Stokomanie, c'est dans le vrac. Ça fait un moment que j'en veux ça. 1,90€. On va l'ouvrir. C'est pour faire cuire les pommes de terre. Même la caissière, elle m'a dit, oh mince, j'aurais dû en prendre parce que c'est pas cher du tout. Vous mettez les pommes de terre là, au micro-ondes. Vous les faites cuire. Je vais regarder. Cuit pommes de terre express. 1,90€, donc j'ai payé. Des pommes de terre cuites en 4 minutes. Une cuisson sans eau ni matière grasse. Non mais regardez, je ne sais même pas si on peut faire autre chose que des pommes de terre. Les durées cuisson peuvent varier en fonction de la puissance du four. Si nécessaire, faire cuire. Alors, précaution d'emploi, laver à l'eau les pommes de terre. Alors ça, il faut le laver aussi à l'eau et sécher à l'air libre. Ou passer en machine. Manipuler le cuit pomme de terre avec précaution pour prévenir tout risque de brûlure. Utilisez ce cuit pomme de terre uniquement au four à micro-ondes. Ne jamais chauffer au four à micro-ondes plus de 4 minutes. Voilà. Il ne faut pas faire plus de 4 minutes. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Et là, vous avez l'explication derrière. Franchement, je vais le tenter. 4 minutes. J'espère que ça ne va pas me foutre le four. J'espère que ça va foutre le feu. Avertissement, laver à l'eau. Avant usage, j'ai laissé sécher à l'air libre. Bon. Bah écoutez, hein, ça a l'air tout simple, hein. On met les pommes de terre dedans, voilà, et ça fait cuire, hein, ça cuit en 4 minutes. Je trouve ça très bien. Ensuite, un fouet. Orangina, secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Alors, en fait, c'est ça, je pense que c'est pour les blancs d'œufs en neige. Non, mais comme je vous dis, je suis une catastrophe à moi toute seule. J'ai fait tomber. Voilà, mais en fait, ça s'enlève. Regardez, ça s'en va. Hein. Vous savez quoi? Je vais aller donner un coup de peigne. Quand j'étais jeune, j'avais eu des problèmes avec mes cheveux, des gros, gros problèmes. J'ai fait des tas de traitements, des vitamines et tout. Ben, je crois que je vais refaire la même chose parce que je suis... Alors, on dit toujours que quand on n'a pas des beaux cheveux, on est en mauvaise santé. Mais quand on a des mauvais ongles aussi, on est en mauvaise santé. Mes ongles ont que 15 jours. Je les ai coupés il y a 15 jours. Et regardez, c'est un truc de fou. Hein. Alors, je ne fais rien, je ne mets rien. C'est la nature. Mais ça me saoule. Parce qu'ils poussent trop, trop vite. Et là, il va falloir que... Voilà, ils poussent trop vite. 15 jours que je les ai coupés. Ok, alors, j'ai pris un petit tapis de bain pour un, avec... Franchement, il est très sympa, je l'ai payé 1,50€. Si vous voulez la référence, c'est, je vais vous dire ça, Finsten. Je vous donne les références. Hein. Finsten, voilà, 1,40€. Hop. Stokomanie, je vous dis, c'est en vrac. Hein. Stokomanie, les palettes de la mère Poulard au citron, 1,20€. Wine Point 20, 1,20€. J'avais déjà goûté la mère Poulard. Au citron, je ne les connais pas. J'adore le citron, donc je pense que ça doit être pas mal. Ikea. Comme vous savez que je vais faire de la cuisine. Avant, je faisais beaucoup, beaucoup de cuisine quand j'étais, quand j'avais pas la chaîne YouTube. Eh bien, ça, c'est pour le melon, je crois. Ça, c'est pour les zestes de citron et le vide-pomme. Je viens d'en acheter un vide-pomme, mais bon,
pas grave, j'avais pas vu qu'il y avait Bipop. J'ai payé ça 4,99€. La qualité, regardez. Voilà. Vous voyez ? C'est bien parce que ça, vous pouvez faire des petits décors avec, même pour les pommes de terre. Hein. Vous faites des petites rondelles, des petits ronds de pommes de terre, c'est pas mal du tout. Nous avons une invitée. Attendez, avant qu'elle se sauve, parce que mademoiselle se sauve tout le temps. Nous avons une invitée. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Maman est telle. Regardez comme je l'aime. Je vais la laisser tranquille. Alors, ensuite, Ikea. Si je me souviens bien, ce sont des petits gâteaux avec de la cannelle. Oui, franchement, c'est une dinguerie de chez dinguerie. J'adore. Franchement. Vous voyez, quand j'ai froid, ben, je fais ça. Voilà. Et là, vous avez la tête des guerriers, je crois. Je ne sais plus comment on appelle ça. Les guerriers de Star Wars. Ensuite, il y avait une promo. Il y avait une super promo à Ikea. 8€, je les ai eus à 4€. Et avec, on avait le droit, avec le ticket de caisse, on a le droit à un bon d'achat entre 5€ et 100€. Et 300€. Donc je ne sais pas, je verrai bien. Mais voilà, un pour moi, un pour mon fils. Et comme vous allez voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est des Lindt, regardez. Des petits nounours qui sont là. Oh, une dinguerie. Et ça, j'en ai eu pour 4€. Franchement. Allez-y, hein. Allez-y, foncez, parce qu'il y en a pas souvent, il n'y en aura peut-être pas tout le temps, c'est une vraie promo, les deux. Ensuite, j'ai pris une balance pour faire ma cuisine, je trouvais qu'elle était sympa, Home Life, Life Small in Baking. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer comment elle est. Je vais prendre un ciseau, une paire de ciseaux. Excusez-moi si je vous mets une fesse. Alors, voilà. Le ciseau, j'avais payé pas cher du tout à la Belle Vie, 79 centimes. Comment vous dire que je suis un peu gauche et maladroite. Voilà. J'espère que je ne vais pas la faire tomber. On la découvre ensemble. C'est quoi ça? Il y a la notice. On la découvre ensemble. Je l'ai payée 5€. Elle est très bien. Regardez. Elle est parfaite. Ça marche avec des piles. Voilà. Elle est franchement trop bien. Bon, je vais quand même garder la boîte parce que je vais la laisser ranger dans la boîte. Comme ça, je la trouverai tout de suite. Désolée pour la tête que j'ai. Franchement, mes cheveux, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Donc voilà, la petite balance, je ne l'ai même pas payée 5€. Je l'ai acheté à Lidl, il y en a encore en ce moment. Ensuite, des trônes. Vous connaissez les trônes? Mon fils, quand il était petit, si vous regardez les vidéos d'il y a 4 ans, vous allez voir, mon fils, à chaque fois, j'achetais des schtroumpfs. Et quand il était petit, j'avais dit, il disait toujours, oh maman, c'est des trônes. Des trônes, c'est des schtroumpfs. Donc voilà, j'ai payé ça 1€. À Stockholm. J'ai trouvé un masque. Alors là, vous allez halluciner. Quand je dis que vous allez halluciner, c'est que vous allez halluciner. Voilà, regardez. Vous n'y attendez pas à ça. J'ai payé 2,40€ quand même. Mais bon, je me dis, ça vaut peut-être le coup. Non, mais quand je vous dis que je suis une gata pour ouvrir les trucs, je reprends la paire de ciseaux. J'aurais dû la garder avec moi, hein, c'était plus simple. Mais je l'ai gardée, je crois. Elle est là. Alors, vous attendez pas à un masque comme ça. Hein. Joyeux Noël, mais je le lave avant moi. Joyeux Noël, Merry Christmas. Je trouvais que c'était sympa.
J'ai un bonnet rouge avec un gros pompon et des cordons rouges avec des pompons blancs. Tout le monde croit à chaque fois que je suis la mère Noël. Il dit, oh maman, regarde, les petits enfants, ils disent, oh maman, regarde, c'est la mère Noël. Et du coup, je mettrai ça avec. 99 centimes, les 150 serviettes, c'est des blanches. Mais bon, j'ai déjà d'autres serviettes de Noël qui sont là, je crois. Je vais les prendre. Voilà. Vous voyez, ça ira avec ça et ça. Ça, c'est en déco et puis ça, c'est pour essuyer. À Stokomanie, 1,40€, j'ai pris du vinaigre de balsamique. J'ai trouvé ça trop sympa. Aceto Balsamico di Modena. Ça, c'est très bon. 1,40€. Ça, c'est 1,49€, je crois, ou peut-être plus. À vrai dire, je ne sais pas le prix, parce que Ikea, ils ne mettent pas tous les prix non plus. Je ne sais pas, mais je trouvais qu'ils étaient jolis. C'est une Maryse pour faire mes gâteaux, parce que quand je fais mes gâteaux, eh bien, j'ai pas de Maryse. Donc, j'ai trouvé qu'elle était sympa, noire et blanche. Ça, c'est pour prendre ma farine quand je fais mes gâteaux. La farine et le sucre en poudre. 99 centimes, les petites dosettes. Et ça, c'est pour poser mon téléphone. Quand je regarde le téléphone, je peux le poser soit comme ça, ou soit comme ça, ou alors soit comme ça. Soit comme ça, soit comme ça, ou soit comme ça. Non, droit comme ça, voilà. 2,49€. Et le clou du spectacle, 12,90€, mais j'ai craqué. J'ai craqué. Qu'est-ce que c'est d'après? Alors, écoutez, je ne montre pas. Ça va faire un jeu. Qu'est-ce que j'ai derrière ça? 10 seconds. Des boules de Noël pour 12,90€. Alors, il y a deux verts, deux rouges et dorés. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Eh bien, écoutez, ma vidéo se termine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you et je vous dis take care. Plein de bonheur que vous. Prenez soin de vos proches, surtout, c'est très important. Prenez soin de votre famille. Je vous aime, moi j'ai une tête, c'est horrible là. Et oui, et j'ai pris aussi un sac, alors là je ne sais pas le prix. Je ne vais même pas vous dire le prix parce que je n'ai pas trouvé le prix. Voilà, et j'ai acheté ce sac là. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye, ciao, abonnez-vous, likez, partagez, commentez.